Salut tout le monde, nous revoici sur Prison Architect pour l'épisode de 7 avec quelques idées en tête. Certaines zones de notre prison sont sans eau. C'est ici. Alors bon, allez, on va les connecter, ça va peut-être foutre la merde, mais tant pis. On verra ce qu'on va faire avec ça. Au moins, il arrêtera son message. Alors déjà, subvention. Subvention, on va essayer de résoudre les problèmes, dont l'étude alimentaire là. Parce que je pense j'ai mal lu en fait, comme d'habitude je survole, je lis deux mots sur trois, donc forcément ça va pas servir un seul repas de faible quantité et de faible variété par jour pendant 2 jours. Servir un seul repas. Et bien sûr, je leur ai donné 3 repas par jour, donc forcément ça va pas. Je crois que c'est ça le délire en fait. Donc. On va partir dans... c'est où? C'est ici. Donc on va essayer avec juste... sécurité moyenne. Voir si ça marche. Donc on vire. On leur met... Qu'est-ce qu'on va leur mettre? Temps libre. Vraiment sympa. Hein. Bon, il y a un petit coup de cellule. Limite, je leur mets du sommeil. Bon, ils se lèvent quand même à 6h du mat. Ça fait 8h de sommeil. Hein. Oh! Allez, petit coup de travail. Donc, ça c'est ok. Ensuite, alors en revanche, c'était où? Logistique? Non, c'était pas ici. C'est là-dedans. Voilà. Donc variété des repas faible, taille des repas faible. C'est ça qu'on avait dit. Hein. Alors, on va revérifier. Ah, bah 1%, bah voilà, ça commence à grimper. Servir un seul repas de faible quantité et de faible variété par jour. Pendant 2 jours. Bah voilà, et après, bon, on va commencer ça, hein, parce que ça commence à être fatigant. Donc eux, bah, dans tous les cas, faut attendre pour qu'ils s'éduquent. Hein. Et après, qu'est-ce qu'on avait mis? On en a que 2 en cours. Investissement à court terme. Bah c'est bon, ça s'est fait apparemment. Ok. Je sais pas c'est quoi en fait. Hein. Bon bref. Augmenter votre capacité de munitions à 50. Bah je suis à 55 donc tout est bon. On fait 20 000, 10 000, hop, dans la poche. Et là c'est pour augmenter... Jusqu'à 100. Bon, on va rester comme ça. Nettoyage d'outils, qu'est-ce que c'est? Retirer les réserves d'outils volés, retirer les réserves d'armes volées. Ça marche comment ça? Bon, on va voir. Si ça avance, on l'annulera peut-être plus tard. Donc ça c'est ok. On était parti sur sur de la chapelle, sur des trucs, sur la morgue. Bon. Maintenant, on se fait un peu de fric. On se fait un peu de fric, on a bientôt 100 000. Donc, le but de la manœuvre... Ah, ça coûte combien ça? 45 000. Bon allez. Ouf. Comment ça, certaines zones de notre prison sont sans eau? Je ne comprends pas. C'est où? Ah là. Alors, de l'eau, de l'eau, de l'eau. De l'eau, de la vie. Non mais... Mais... Merci. Il n'y a pas assez de puissance, c'est ça? Ouais, ça devrait suffire. Bon, le but de la manœuvre, c'est d'agrandir, hein. Comme j'avais dit, et se faire un petit quartier. On va voir hein, si j'ai assez de thunes, parce que... Ah, j'ai 74 000 quand même. Alors, en même temps, j'ai 5 000 qui tombent par jour, donc c'est pas mal. Hein. Si on reste comme ça, c'est pas mal. Si déconne pas, s'il n'y a pas une émeute ou un truc dans ce style. Bon, alors déjà, on va virer, je pense... Ou alors je rétrécirai le bureau du directeur.
Peut-être. Peut-être je vais rétrécir le bureau du directeur. Et c'est peut-être pas une mauvaise idée. Donc on va faire ça. On va se faire un long couloir. Alors ça va être le couloir de l'enfer. Il va rien se passer là-dedans, mais on va dire que ça va être pour commencer, hein. Pour commencer ma. Alors je pourrais faire des plans, mais j'ai testé un peu, je galère, donc faudra que je m'entraîne un peu, que je vois plus profondément. Alors j'allais dire, ouais, ils sont où mes mecs? Mais ouais, forcément, j'ai pas accéléré, donc on attend le matos qui arrive et c'est parti. C'est parti. Ils font leur fondation. Ah mais non, mais j'ai déconné. Arrêtez tout. Pause. Parce que là, j'ai mis que deux places. Donc ça va être du mur contre mur. Ça va être dégueulasse. Ah si c'est ça, j'ai... Voilà. On démarre. Couille. Bon, je vais les laisser finir, mais je pense que c'est foireux. Ah, j'ai déconné. J'aurais dû faire un peu plus grand le couloir. Ah, ça va. À limite, ça va, on a un couloir quand même. Donc, bon, à part ici, voilà, ici ça foire forcément, mais ça va. Du coup, ouais, bon, on verra parce que il va peut-être falloir virer la salle de conditionnel. Pardon. Du coup, on fera peut-être la salle de conditionnel ici de ce côté-là et se faire un petit passage là pour descendre côté. Je sais pas si je l'ai dit. Et le but de faire cette connerie, c'est de se faire un coin pour la haute sécurité. On va se refaire un coin complet, hein, de prison. Donc ça va coûter une blinde. Mais comment ça rouge? Foutez de ma gueule. Bon alors, ils en sont où les loulous là? Y a personne de coincé au milieu de ce... Non, c'est bon. Tout se passe bien sinon. Alors, peut-être 2 jours sont passés. Ralentis le temps. Voilà, non. Mais quand même un petit coup de lecture. On va voir les subventions. Voir si ça avance côté bouffe. 14%. Ben voilà, ça avance. Ok. Bon, bah ben, on attend. Ah oui, ils ont fini, mais... ça fait pas l'effet escompté. Non, mais non. Démolir mur, ce sera bien mieux. Ah, bon, c'est voilà. Enlève ça et on va mettre mur porte personnelle, comme ça ils vont pouvoir rentrer dedans et on, à partir de là, on fera quelque chose. Alors, on va faire du béton, pourquoi pas. Alors je sais pas, hein, je sais pas ce combien ça m'a coûté déjà. Ça m'a coûté un bras de faire ça. Allez, un deuxième bras. Ça va être gênant après. Je vais devoir vendre mes organes, tout ça, ça va pas le faire. On va se faire aussi un truc tout de suite, c'est petite structure. On va se refaire une structure. Comme ça devrait aller. Mur. Porte de personnel, tac. Bon, pièce, on va attendre qu'ils finissent. On leur a donné beaucoup de travail quand même. Ouais, quelque peu. Parce que, ouais, comparé à la taille de ma prison, vos prisonniers ont faim. Ah, bah ouais, mais je suis en train de faire. Forcément qu'ils ont faim. Je suis en train de faire mon étude, donc je leur donne pas tellement à bouffer. On en est où? Non, non, on n'en est pas encore. Hein. 20%, ça avance, hein, mais. Va falloir serrer la ceinture, les mecs. Hein. On est à fond là niveau construction? Bon, ouais, c'est vrai que j'ai fait quelque chose de grand. Donc, le but c'est de mettre toutes les prisons en bas ici et se faire au-dessus. On va dire ici à peu près un tiers de la longueur qui va nous rester. Les cuisines, bah, le réfectoire. Se faire de l'autre côté, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Alors je sais pas si ouais les détenus haute sécurité leur font un parloir aussi. En même temps il y en aura un là, au pire.
Donc ouais, celui-là, ils vont utiliser le même, on va dire. Donc il me faudra forcément, voilà, la cuisine et le réfectoire, une douche, peut-être une petite salle commune, on va voir, hein, parce qu'on va souvent les laisser dans leur prison. Les prisonniers de haute sécurité, on va faire attention. Bon voilà, hein, j'avais 100 000, je me retrouve à 41 000, mais jusque-là tout va bien. Et ici, ce petit truc, en fait, c'est pour remettre un générateur d'électricité, parce qu'on a vu que, bah voilà, celui-là, je peux pas le mettre en, d'ailleurs, démonter. Alors je sais pas, hein, mais j'imagine, voilà, au lieu de détruire, je démonte et comme ça, ils vont le récupérer pour le remettre de l'autre côté. Et ça va pas me coûter une fortune. Et on le remettra ici, pour alimenter le bas de la prison. Bon, allez-y les mecs, hein, construisez. Hein. Alors j'aurais peut-être dû engager quelques travailleurs, mais depuis le début on se débrouille avec les, je crois, 8 travailleurs qu'on a. Bon, on va pas commencer. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il y a eu de la flotte? Ordure. C'est bizarre. Bon bref. Ah, ou c'est peut-être ça. Sa douche à lui qui a débordé jusque-là, c'est possible aussi. Ah, j'ai pas lu le message. Voyons voir. Oui, notre prison est fermée aux nouveaux accueillants. Bah, oh, quoique oui, je pourrais. Ah, mais d'ailleurs, on a plus que 1000 de thunes. Qu'est-ce qui se passe par jour là? On avait 5000. Est-ce qu'on en a libéré ou. Ce qu'on voit, hein. Du coup, oui, venez. Venez, les amis. Alors, 10 comme ça, pour se refaire du fric. Hein. Ça reste un poil dangereux, parce que la sécurité de ma prison est limitée, mais on va dire que c'est bon. Bon, il nous faudra une cour aussi pour eux, mais on se fera un passage au milieu. On va mettre toutes les cellules à gauche ici, toutes les cellules en bas à droite ici. Et qu'est-ce qui se passe? Ils finissent ou quoi? Ah oui, ils ont fini ce petit truc. Bon. On va pouvoir. Et on se fera un petit couloir au milieu des deux couloirs de cellules pour faire une cour en dessous. Il leur faudra une cour quand même. On n'est pas des bêtes. Et voilà. Est-ce que je dois le désigner en quelque chose, ça? Non, je crois pas en fait. J'ai juste à claquer les objets dedans. Ah non, juste faire électricité et hop. Poste électrique et condensateur. Ah, je peux pas le mettre parce que c'est pas encore mis. Bon, ok. Ah zut! Comme il y a ma. Ah, ça, j'avais pas calculé. Comme il y a ma grille tout le long, je pensais qu'ils allaient refaire des murs par-dessus, mais non, ils ont laissé la grille. Du coup, c'est. C'est pas fou. C'est pas fou comme construction. Bon. De toute façon, logiquement, je peux démolir la grille. Ça va pas poser de problème. Ils vont pas se barrer, c'est ça que je veux dire. Bon, c'est considéré comme des murs, j'imagine. Hop. Faites ça. Faites ça et finissez. Hein, parce que je sais pas ce que vous faites là, mais. Ah, mais ils reprennent là. Mais, ah, ouais, non, ils attendaient les matériaux pour finir. Donc là, ça devrait se finir. Voilà. Et voilà, c'est dommage, hein, parce que j'aurais détruit juste avant, ça serait fini naturellement. Là, je vais devoir refaire une longueur de mur. Encore du fric dépensé à rien, c'est fou. Fait chier surtout. Béton. On a dit du béton, hein. Ici en bas, on va pas se faire chier. Hop. Remets-moi une enceinte et mets-moi une porte vite fait, vraiment vite fait de personnel. Pour dire de pouvoir accéder. Alors est-ce qu'ils. Non, ils ont toujours pas placé le générateur électrique, mais ça ne serait tardé. 3000 de thunes, bon. C'est pas si mal. Les gardiens sont en PLS là, apparemment. Ils s'en sortent plus. Est-ce qu'on n'engagerait pas un petit gardien vite fait? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils essayent de passer là-bas? Je sais pas, mais. Alors, recruter du personnel. Allez. Pif paf, deux gardiens.
Bon, bon, allez, c'est ça comme ça, faudra ouvrir un moment. Bon, est-ce que j'ai... Est-ce que... Non, j'ai pas... J'ai déconné niveau truc électrique ou... J'avais demandé de placer ça. Pourquoi ça s'est... Allez, travaille, travaille, travaille. Très bien. Ensuite... Un peu de condensateur, tout de même. Tout de suite, hein. Hop, et Elec. Tic tac touc. En espérant que ça suffise pour alimenter le tout. Enfin, niveau portée hein, d'électricité, je veux parler. Niveau puissance, ça va aller. Voilà, un peu d'éclairage, ça va faire du bien. La qualité générale de nos cellules doit être améliorée dès que possible. Ah, vous m'emmerdez un peu, hein, parce que ça, ouais, la qualité des cellules, ok, bon, bah, j'ai un peu déconné au début, on va dire. Mais j'ai bien augmenté, hein, tout de même. Donc, ils vont, voilà, ils vont pas me casser les bonbons et ils vont se satisfaire de ce qu'ils ont. Hein. Alors, ralentis un peu. Déjà, en fait, je vais essayer d'utiliser un peu plus. Un peu plus les outils qui seront à ma portée. Hop. Hop. Ok, parce que en fait je vais essayer d'être un peu moins con, faire deux cellules comme ça et faire des copies. Comme ça on n'a pas besoin de tout remplir. Bon, je fais pas de la cellule Rikiki non plus, je sais pas en fait, j'imagine, ça serait logique. C'est-à-dire comme ça va être une prison de sécurité, de haute sécurité, est-ce que juste des petites cellules, ça suffirait? Si moins de besoins, j'imagine. Ils en sont où mes constructeurs là? Ils sont en PLS aussi? Ah, c'est parce que je suis en vitesse normale, donc forcément. Bon, objet. Donc, le lit. Hop, hop. Les toilettes. Hop, et et lorsque je leur mets une étagère de bouquins, ça m'embête. C'est de la haute sécurité. Non, on va laisser comme ça pour l'instant. On a fait des cellules un peu plus grandes pour pas que ça soit vraiment de la cellule basique, mais au moins voilà, ils ont un peu un minimum syndical. Et après, du coup, on fait papam pam pam. Dupliquer. Donc on prend ça et on dit qu'on le veut là à côté. Hop. Ça, on va se faire une série de cellules ici. Je l'ai dit. On verra si on fait pas. On va voir. On va voir. Alors regardons un peu. On va se faire un petit passage au milieu. Je l'avais dit. Alors j'espère que je déconne pas, hein, que je les place bien, mais normalement là ça a l'air d'aller. Je suis en train de faire, ça a l'air d'aller, on dirait. Donc voilà, et au moins ça va beaucoup plus vite, hein. Il y a des outils, hein, pour faire ça, autant en profiter. Bon, déjà on aura une base. Hein. Une base, alors combien on a de cellules? 2, 4, 6, 8, 10, 10, 10, 20, 22, quoi. Ok. Alors. Maintenant. On va se faire un petit couloir comme ça jusqu'aux cellules. Qu'on va certainement ouvrir, mais on verra après. On va se faire un truc comme ça. Ouais, allez, on va faire ça. Et après, de toute façon, c'est la base. Bon, ce sera certainement pas comme ça. Ça va pas se finir comme ça, mais.
On aura déjà un semblant de quelque chose. On va pas faire de porte pour l'instant, on va juste faire une ouverture de chaque côté. Si je trouve le truc. Hop. Et hop. Ok, alors, ouais, démoli ici aussi. Il faut de l'élec pour là-haut. Non, c'est une erreur. Parce que je peux pas tirer d'ici. On va vraiment séparer les deux réseaux, hein. Celui-là est plein, y a la limite, on va pas en rajouter. On peut-être, on verra, mais... ça c'est bon. Donc on avait dit un réfectoire. On va essayer de faire un truc assez grand quand même. On va faire ça et on va faire la cuisine juste à côté. C'est ma housse, hein, mais bon. Peut-être qu'on fera une deuxième rangée de cellules, mais à l'inverse, dans l'autre sens, avec un couloir en bas, voilà, bon, ils n'auront pas trop loin à faire. Donc la cuisine, on a dit que c'était ici. Faudrait peut-être faire une infirmerie, de l'isolement. Ouais, on va devoir faire plein de trucs comme ça, mais bon. Et je pourrais limite déjà les amener, mais le but c'est vraiment d'être prêt complètement pour pouvoir dire c'est bon, on ouvre la deuxième partie de la cellule. Cantine, on y arrive. Le fric, 2000 par... Bon, j'espère qu'elles sont pas viables, à moins qu'elles sont viables et ils vont pouvoir mettre des prisonniers là, et là du coup ça m'emmerde. Alors il faudrait peut-être que je les désigne tout de suite en mode il faut pas aller là. Et alors comment on fait? Ah, ça va être la grande question parce que je sais que je l'avais vu, mais c'est dans quoi? Créer une patrouille. Travail, non. Contrebande, on s'en fout. Enfin, peut-être on s'en fout pas, mais... On a de la haute sécurité, on en a deux hein, quand même. Je sais pas ce qu'ils foutent là, j'ai jamais demandé des mecs comme ça moi. À moins qu'ils se sont transformés en haute sécurité parce qu'ils foutaient le bordel. C'est possible aussi. Secteur de sécurité. Bah, ah bah voilà, on en est là. Haute sécurité. Très haute sécurité? Non bon, de la haute sécurité déjà. On va dire que tout ça, voilà, tout ça c'est haute sécurité, ça c'est haute sécurité. Ça, bah, on peut pas le désigner, c'est une... Bon voilà. Déjà, ce côté-là, on sait haute sécurité. Comme ça, il n'y a pas de clampins qui vont venir. La cantine, il va falloir y aller par étapes. Hein. Hop. Alors j'espère que ça va le faire. Pif paf pouf. Ah, ça prend un peu de temps hein, tous ces... Surtout que là en fait c'est comme si je faisais une deuxième prison à côté hein. Mais je me dis prendre de la haute sécurité ça va être cool hein, ça va ramener plus de fric. Donc bon. Il faut y aller quoi, il faut le faire. Porte personnelle, on va dire ici. Ici aussi. Pour l'instant on va pas les faire travailler hein, c'est de la haute sécurité, on n'est pas fou. Mais comment ça?
Ah ouais, j'allais dire comment ça ils viennent ici? Mais c'est de la haute sécurité, c'est les trois. Comment il fait pour manger lui? Comment il fait pour trouver de la bouffe ici? Ça vient d'ouvrir Loulou, il y a même pas de cuisine. Mais ouais, comme on a trois clampins haute sécurité, ils viennent ici. Bon bah nous on a le droit, mais vous pouvez venir. Hein. Vous pouvez venir, y a rien. C'est pas que je veux pas, mais laissez-moi le temps. Comment on va agencer ce truc-là? J'en sais rien. Oula, je sais pas si je l'ai mis dans le bon sens le frigo, mais. Si on dirait. Bon, voilà, on va faire un truc comme ça. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On va voir. Il nous faut des douches. Bon, il nous faut des douches. On va faire la douche. Il va y avoir du monde à la douche, donc on va essayer de faire un truc. Comment je préfère? Hop. Comme ça. Et comme ça. On va voir, hein. On va voir si ça marche. Je m'emballe peut-être un peu. Est-ce qu'ils peuvent y aller là? Non. L'argent commence à manquer. Ah, effectivement, j'ai plus que 4000 de fric. Ah, bah ouais, mais ça. À force de faire plein de trucs en même temps, bah ouais. On fait pas gaffe au fric. Alors, admission, parce que. Ah, ouais, mais non, je peux pas. J'allais dire, j'ai de la place maintenant, mais non, mes cellules sont pas viables en bas. Bah si, faut juste que. Comment on va faire? 50, j'avais 55. On peut peut-être recruter quelques mecs quand même. Subvention, alors c'en est où? Ah ouais, mais la bouffe! Oh là, ça fait un moment que je les affame! Ah, j'avais oublié ce détail! Ah zut! Ah, c'est con ça! Alors. subvention. Donc ça, c'est ok normalement. Servir un repas, voilà. Servir trois repas de grande quantité et d'importantes variétés par jour pendant 2 jours. Donc trois repas. Grande quantité, importante variété. Et ça va nous coûter une blinde et j'ai plus de fric. C'est parfait. Alors, c'était où? C'est ici. Alors, variété des repas élevée. Taille des repas élevée. Allez, c'est parti. Et bien sûr, il faut changer ça. Et trois repas. Donc trois repas, un au matin, hein, quand il se lève, le petit déj. Au midi et au soir. Voilà. Et un peu de cellules quand même. Pas déconner. Ça c'est ok. Il y a peut-être une heure de travail qui sert à rien là, mais on verra. Donc, normalement c'est bon. Normalement c'est bon. Alors, accélérons un peu le temps. Oh là 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 là, le fric nous manque. Mais ouais, forcément. Là, ça ne, c'est un budget tout ça. C'est un budget. Produire 30 plaques d'immatriculation. Ouais, ça j'aimerais bien, mais faut qu'ils s'éduquent ces loulous. Et on en est où niveau éducation? Pas mal! 78%, ça monte, ça monte. On est bien. Investigation à long terme. Alors j'aimerais bien le faire, mais ça va peut-être prendre une place, on sait pas. On va le faire parce que l'investissement à long terme, je sais pas trop comment ça se déroule. Comment ça on a plus de fric? Comment ça on a plus de fric? Vite! Vite, subvention, vite, admission. Admission. On peut en prendre au moins 5. Inconscient. Ah ouais, d'ici là que le. Mais ils sont venus squatter dans ces prisons du coup, dans ces cellules. Et qu'est-ce qu'il fait avec les deux gardiens là, c'est. Ah mais j'ai plein de trucs à faire là pour que ça soit viable tout ça, mais j'ai plus de fric. Il faut que ça arrive. Voilà, on va accélérer le temps, espérons que le fric va arriver d'un coup. Je vais pas faire un prêt quand même.
Bon, c'est ambitieux hein, comme plan. Bon, j'avais 100 000. Je suis même pas. On va dire, bon, je suis bientôt à ce que j'espérais, mais on en est encore loin. Parce que l'argent commence à manquer. Mais je sais. Parce que je voudrais faire un mur d'enceinte quand même tout autour. Le mur d'enceinte, ça va nous claquer pareil du fric. Pourquoi il n'y a pas assez d'élèques là, activés? Pourquoi il y a. Ah non, c'est juste le point. C'est juste. Ouais, je suis en train de partir en sucette, moi. Bon, ça arrive le fric ou. Ils arrivent les nouveaux prisonniers? J'aimerais bien que ça rentre. Flux de trésorerie, ouais, c'est bien ça, mais. C'est pas fou. Une personne. Eh, comment ça? Décès du jour. Une personne est morte. Elle est morte où? Elle est morte de quoi? Ah, c'était peut-être mon gars en bas. Parce qu'il était un peu inconscient et d'ici là que l'infirmier voit qu'il était là, c'était un peu mort. On a un sol de terre ici. C'est cool. À la classe. Il fouille et. Ouais, mais il fouille pas des cellules qui sont pas habitées, mon gars. Bon. Il faut vraiment que j'alimente ici en eau. Pour au moins que les prisonniers puissent venir, même s'ils peuvent pas manger, bon, ils peuvent venir, quoi. Ils peuvent aller pisser. L'argent commence à manquer. Ben je sais, mais ça vient pas. On n'arrive pas à faire entrer le fric. Alors je me suis planté en admission. Non, mais ben non, on est bon, ils sont là, ils arrivent en fait. Arrivé dans 6 heures. Bon, ben voilà, il va falloir attendre un peu. Est-ce que j'avais fait ce truc? Alors je sais pas, hein, mais. Parce que j'ai un peu déconné, hein, j'avais exportation, tout ça, j'ai tout divisé, c'était un bordel. Faut vraiment que je déchèterie tout ça, il faut que je le refasse. Hein. J'ai toujours pas refait, c'est vraiment une bêtise. Mais j'aimerais bien faire un truc de. Je sais pas si ça va me servir, mais ça va peut-être ramener. Ça peut peut-être ramener un peu de fric. Alors. Pièce. Magasin, et en même temps je préfère un magasin, ça devrait ramener du fric. Foresterie. Un endroit conçu pour faire pousser des arbres, les arbres peuvent servir à créer des produits dans l'atelier que vous pourrez vendre. Bon, foresterie, on va dire que c'est. Allez. Je sais pas si j'en ai fait, si j'avais délimité, bah. Déjà fait un truc dans ce style, mais bon. Je sais pas, hein. Je sais pas comment ça marche, on va voir. Alors j'ai vu aussi qu'il y avait des barrières. J'aimerais bien mettre une barrière ici, mais ça va me coûter aussi du fric et c'est exactement ce qui me manque. Ça va, je suis directeur de prison, j'ai une centaine de prisonniers à mon actif, j'ai 31 dollars dans la poche. Tout va bien. Ah les flux de trésorerie, très bien. Y a personne? Ouais, j'allais dire, vas-y. Ah, ça prie. J'ai vu un gars prier. C'est bien, c'est bien. Alors, voyons voir les subventions. Ah là, il nous faut du fric. 78%, 77%. Ça arrive. Parce que j'aimerais bien arrêter de les nourrir comme des cochons. Hein. Ah, ils se font plaisir, hein, les salauds. Nous manquons sérieusement d'argent. Mais alors, franchement, mon gars, est-ce bien utile de me le rappeler? Ouvrir le menu subvention. Bah ben ouais, mais vous êtes marrant. Je l'ai ouvert le menu subvention, c'est pas pour autant que. Annuler la subvention. Êtes-vous sûr de. Remboursement 5 000. Ah bah ben non, je peux pas. Il faut. Pour annuler la subvention, il faut claquer du fric. Et ben non, je ne peux. Je voulais lancer une autre subvention en me disant, bon, ben, ils vont me donner un petit pécule pour démarrer, mais non. Bon. Hop. Hop. On va quand même les faire travailler, hein. On les paye. J'allais dire, je sais pas comment faire pour essayer d'économiser un peu d'argent. Exportation 100. Donc voilà. Ah ben voilà. Voilà, en fait, bon, ça fait pas énormément de fric, hein. Mais les mecs, ils ont tout coupé. Et hop, ils exportent. Bon, du coup, là, c'est la misère parce que. J'ai déconné pour ma grille. Bon, comment on pourrait faire?
Faudrait virer ça. Non. Démolition. Bon, allez. J'ai déconné. Et voilà, ça ramène un peu de fric quand même, l'exportation de bois. C'est vraiment de la solution de clodo, mais on fait ce qu'on a. Hein. Alors je pourrais peut-être virer hein, des chiens, des gardiens. Ça a l'air de tourner de façon correcte, hein, mais... C'est un bordel là, c'est quoi là devant là? Il y a des œufs, il y a des... Mais c'est la bouffe en fait! Ah, il faudrait peut-être que je fasse un coin pour... Ah ouais! C'est quoi, c'est un... Ah, il faudrait peut-être faire un entrepôt. J'ai pas fait d'entrepôt, moi, jamais. J'ai ja... Ah, mais si, il y a un coin entrepôt, là. Nous manquons sérieusement d'argent. Mais oui, je sais. 2000 boules qui sont tombées. Ah, je sais pas pourquoi. Subvention, on en est où, la bouffe? 95%, 96, voilà, on y arrive. On va pouvoir souffler un peu. Il faudrait peut-être essayer de... Ouais, non, il va falloir faire une... Continuer la salle de classe qui s'éduque et qu'ils apprennent à travailler dans le... Il y a plein de bois ici. Qu'ils apprennent à travailler dans le... Dans la menuiserie, dans l'atelier. Qu'est-ce que c'est ce sang là? Inconscient. Bah ouais, prends-le, va le ramener à la... Ça se passe comment l'infirmerie, ça va? Ouais, c'est pas plein, hein. Oh! Putain, c'est violent l'infirmerie, vous avez vu ou pas? Le gardien, elle le claque sur le lit, l'infirmière, elle arrive, elle le charcute et hop, il repart. Tout va bien. Évasion aujourd'hui, comment ça? Un prisonnier? Comment? Mais comment? Il s'est barré par où? Mais dites-moi, un rapport, quelque chose? Mais non. Ah, on a eu la subvention du truc. Voilà, étude. Alors, ralentis-le tout le temps. Maintenant qu'on a eu le truc, je vous ferai dire, les mecs, c'est fini tout ça. Hein? Moyenne. On va y aller doucement. Alors, fais voir. Taille des repas. Taille de repas, non, moyenne. Variété des repas. Faible. Ah! On va faire une petite variété des repas faible avec taille des repas moyenne. Hop. On va essayer d'économiser un peu d'argent. Il faudrait que je fasse un entrepôt, mais c'est un bordel, là. Il y a tous les œufs, les choux, tout, le pain, tout est devant, la prison, là, l'entrée de la prison. Ah ouais, bah les visiteurs, du coup, ça fait un peu crado, quoi. Bon. Avant de vous quitter, on va reclaquer du fric dans quelque chose qui n'était pas prévu. Est-ce que je peux faire un truc dans ce style? On va voir. Hop, je fais ça. Allez-y les mecs, venez travailler, ça va couper du bois en même temps. On... je l'ai dit, hein, c'est un peu limite, mais on va faire avec. Hein. Allez-y, bon. Ils font tout les mecs. Hein. Ils font tout. Des bûcherons, ils font du béton, la structure. Ils amènent les meubles. Vraiment des... Ah, c'est des ouvriers de qualité. Hein. Ah, ils sont partis dormir. Non, mais venez bosser quand même. Il y en a pas qui travaillent de nuit là. Ce serait pas mal. Ouais, zizi. Quelques-uns qui font des heures sup quand même, mes travailleurs là. Finissez. Un décès. Encore? Oh. Bon, c'est vrai que j'ai un peu négligé là pendant cette partie. Ma prison initiale. Hein. Là, je suis en train de me motiver pour faire une autre partie. Et bon, il va falloir engager du monde pour ici. Je sais pas comment on va s'y prendre en fait, parce qu'on aura deux cuisines. Est-ce qu'ils vont être assez intelligents pour se diviser et se dire, bah voilà, c'est là-bas, c'est dans cette cuisine que je travaille. Je sais pas. Hein. Alors, on avait dit une porte du personnel. Et là, exportation entrepôt. Entrepôt contient tout le matériel dont le personnel de notre prison peut avoir besoin.
Et donc il devrait stocker là-bas. Ou pas en fait. On sait pas. Parce que déjà, j'ai déjà un truc entrepôt ici, mais... comment je fais pour supprimer? Hop, voilà. Exportation, c'est ici. Il va falloir remettre des grilles. Peut-être pour ça, hein, qu'il y en a un qui s'est barré. Déchetterie, on va le refaire aussi correctement. Hop. Et on va claquer un peu de fric. Mur d'enceinte, non, clôture. On va commencer par de la clôture. C'est quoi tous ces gens? Ah non, c'est les civils hein, qui se barrent. Ils sont venus à la prison à pied. Ils repartent à pied. Ils sont courageux, les mecs. Alors, il est valide mon entrepôt. Hein. Bon, j'imagine, j'en sais rien. Bon, bah voilà. Voilà. Je pense que pour le prochain épisode, ça va être. On va essayer de se concentrer sur ce côté de la prison, ce côté haute sécurité. Et on va voir. Qu'est-ce que c'est? Décès du jour. Il y a une baston, il y a quoi? Deux personnes sont mortes. Il se passe un truc, hein. Certaines zones de son prison sont sans électricité. Oui, mais je m'en fous, ça y est. Les gens meurent autour de nous, mon gars. Pense pas à l'éclairage, quoi. Bon. Va falloir résoudre ce problème. Bon, peut-être aussi, ouais, diviser, hein. On verra, on verra. Ah, ça devient catastrophique, hein. Des morts dans tous les sens. Hein. Voilà, la douche, elle est là. Je vais la faire vite fait avant de vous quitter. Ça va être comme d'habitude de la douche fort conviviale. Et donc il nous restera à faire une cour pour eux. Alimenter tout en eau. Donc faire un générateur d'eau. Hein. Et peut-être une salle commune, un truc dans ce style. Mais après ils auront déjà la base pour venir. Donc au pire j'ouvrirai déjà pour essayer de ramener du fric. Hein, parce que là on est fort léger. Et non non mais non. Mais pas un bureau là où je sais pas quoi en plein milieu. Du coup... Ouais, du coup, je pense que ça va être ça le délire. Hein. Il faudra que j'ouvre et j'engage. Bah, que j'engage. Que j'amène pas mal de sécurité, haute sécurité dans ma prison. Se faire un apport de fric. Et peut-être qu'après, on pensera à faire le couloir de la mort, ce genre de choses. Pomme de. Oh, ouais, non, j'allais dire, c'est quoi qui me fait tout ce fric dépenser? Mais ouais, c'est ce que je suis en train de poser. Bon bah c'est pas mal. C'est pas fou mais c'est pas mal. On a pas mal de douches. Ils auront de quoi faire, hein, largement de quoi faire. Niveau bouffe c'est pareil. Ah, il manque un banc. Hop. Et voilà, faudra alimenter tout ça. On est pas mal mais voilà, le début est là. Hein. Le début là, bien sûr. Hein, pour se faire du fric, il faut investir. Hein, il faut pas avoir peur. J'avoue que j'ai un peu frôlé la banqueroute mais... C'est bon, on est reparti. Alors peut-être je ferai passer quelques jours en attendant, mais peut-être pas. Pour faire un peu de fric, mais non, peut-être pas, parce que ils vont vite me virer si je fais pas quelque chose en haut là. Si j'augmente pas un peu la sécurité. Poser ce cookie, nos prisonniers meurent de faim. Ah non, mais moi je fais des économies où je peux, hein, loulou. Bon. Ah ouais, mais je leur ai laissé le truc du 1-3 repas par jour, non? Ah merde. C'est où? Ah c'est un bordel, hein, faut tout organiser. Hein. Donc ouais, 3 repas par jour, non non, il n'y a pas question. Allez hop, sommeil. Ils ont 3 repas par jour et ils se plaignent. Bon, j'ai compris. Non non, mais j'ai compris. Allez, hop, variété des repas moyenne. Alors à moins que c'est juste les prisonniers haute sécurité qui ont faim, mais ouais, mais c'est normal, il n'y a personne qui bosse en cuisine, hein. Ben, je pense. Hein. Ouais, il va falloir plein de caméras de sécurité. On va rajouter des portes, hein, des bien sûr, hein, des détecteurs
de métaux, ce genre de conneries. On va devoir sécuriser tout ça, faire vraiment des chemins de patrouille et mettre que des gardes armés et des gardes chiens ici. Et peut-être aussi faire le coup du taser pour tous. Bon, il y a pas mal de trucs à faire, hein. Je sais pas si je l'ai fait taser pour tous, je pense pas, hein. Donc encore beaucoup de choses à faire, beaucoup d'ambition. On a encore des petites subventions, des bonnes subventions à venir, hein. Comme encore un décès. Comme à atteindre le total de 100 prisonniers de capacité. Oh, disons que je refais une rangée ici, déjà, on n'est pas loin, hein. Donc ouais, du fric potentiel à venir. Donc peut-être que ça ira et que j'ai pas besoin de farmer, d'attendre le fric. Bon, sur ce, merci d'avoir regardé et à bientôt. Salut!